Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, depuis quelques années, Florian Osselin, avec ses collègues de l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, réfléchit à fabriquer de l'hydrogène en injectant de l'eau. Alors, on nous dit de l'eau de mer préférentiellement dans des roches du manteau terrestre riches en fer. C'est cela qu'on va appeler l'hydrogène orange. Alors, ce sont des réactions chimiques, les mêmes qui existent naturellement, qui ont lieu et qui fournissent alors le gaz. Donc, c'est une voie dite orange à cause de la couleur des oxydes de fer, nous dit lemonde.fr, et qui remplacerait les voies de synthèse à base de méthane ou de charbon, ou complémenterait la production à partir d'énergie renouvelable. Alors, le chercheur propose d'en profiter pour stocker du CO2 dans la roche en l'injectant avec l'eau pour le transformer en carbonate stable. Avant d'en faire une voie prometteuse, il faudra donc en vérifier la faisabilité ou trouver les paramètres de température et de pression efficaces. Alors, le chercheur entend monter donc une société pour lever des fonds et financer ses recherches. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.